Bonjour, bienvenue à Kilombo et Sinzwamba Simanga. Aujourd'hui, nous allons parler du concept de pharaon, un concept bien connu. Nous allons essayer de comprendre ce mot et de traduire ce concept à partir de nos langues. Nous avons aujourd'hui pour nous permettre de le comprendre. Monsieur José do Nascimento, juriste politologue, directeur de l'ARPEMA, le centre, une association de recherche sur les perspectives de la modernité en Afrique. Alors, bonjour. Bonjour à vous tous. Oui, alors donc, vous allez nous parler aujourd'hui de la traduction du concept de pharaon à partir des langues africaines. Ben écoutez, donc comme vous l'avez dit, hein, je m'appelle José Donacimento. Je suis le directeur de l'ARPEMA. L'ARPEMA, qui est un centre associatif de recherche sur les perspectives de la modernité en Afrique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la traduction du concept de pharaon à partir des langues africaines. Et donc, votre association m'a bien précisé qu'il fallait que j'en parle d'un point de vue pédagogique afin que le discours soit accessible à tout le monde, hein. Donc effectivement, je vais m'efforcer de faire un exposé pédagogique. Et donc pour ça, je vais aussi parler assez lentement, hein, pour que tout le monde puisse bien me suivre. Voilà. Ok, alors bien. Alors on a planté les décors. Alors qu'est-ce qui vous habilite donc à